On est de retour pour plus de War Tales. Donc, on continue. On a une mission qui est juste à côté où on doit voir ce qui est arrivé au bûcheron. Et après, on va revenir à Stromcap. On a payé tout le monde, on a une récompense à récupérer. On a encore beaucoup de nourriture, ça va. C'est un peu l'argent qui fait un peu peur. Faut pas trop rester là longtemps, quoi. Fait la mission et on se casse. Ah bah tiens, camp de bûcheron, ça marche. Alors, allons enquêter. Inspecter. Bois. Faut qu'on coupe du bois aussi. On a personne qui coupe du bois. On a absolument personne qui coupe du bois. On a même pas le boulot, je crois. Si. Non, on l'a pas. Non, on l'a pas. Je sais pas pourquoi on l'a pas. C'est les autres, on les a récupérés direct, mais. Là. Alors. Hein, le chef est inquiet pour nous, il y a de quoi. Les habitants de Tiltren sont de plus en plus vindicatifs. Ils nous harcèlent, n'ont pas assez d'hommes pour envoyer un message. Et que. Alerte! Les paysans reviennent. Vous, là, mercenaires, puisque le chef vous envoie, dépêchez-vous. Ah, ok, c'est là la mission. Dépêchez-vous de rejoindre nos gars à l'extérieur du camp et empêcher ces idiots d'entrer. Bon, ça va, on y va. On arrive. Alors. Qu'est-ce que vous voulez encore? Vous n'avez rien à mieux à faire que venir harceler des réfugiés? Quand bien même vous seriez d'or en personne, vous ne pourriez pas couper ces arbres. Comment ça, quoi, vous ne pourriez pas? Qu'est-ce que ça peut vous faire qu'on coupe ces arbres plutôt que d'autres? La forêt de Mont-Altis est sacrée. Elle appartient au Tull depuis la nuit des temps. Si vous contrariez le petit peuple, il s'en prendra à toutes les bâtisses aux alentours, dans les nôtres et votre refuge. Ridicule, les Tulls n'existent pas. Ce sont des légendes. Ne vont pas mourir de froid pour les lutins imaginaires. Des lutins imaginaires. Ok. Allez dire à vos hallucinations d'aller vivre ailleurs. Ce ne sont pas les forêts qui manquent dans ce comté. Mercenaires, vous entendez les insultes. C'est pris cela de notre corriger. Professeur Little, vous en serez reconnaissant. Combattre. Quoi? Mercenaires, vous entendu ces insultes. Votre prix sera le nôtre pour corriger ces profanateurs. Non, mais moi, je veux pas me mettre avec vous. Hein. Ah, on peut choisir. Ok. Alors, affronter. Donc là, on a... Ah, putain, attends. Fantassin, lieutenant, phalange. Démarrer le combat. Donc là, si on les affronte, on récupère leur bois, en fait. Et là, on récupère des haricots, apparemment. Bah, je préfère... ouais, des truands, en plus. Non, mais on va combattre eux. Alliés 2. Ah, ils m'envoient des alliés, eux. D'accord. J'aime bien, parce qu'on peut partir, apparemment. Genre, désolé, c'est pas pour nous. Dans ce cas, au revoir. Alors, certaines personnes qui vous accompagnent sont importantes. S'ils meurent, vous devrez relancer le combat, protégez-les. Oh la vache, t'es sérieux? Inspiration de chef. Ok. On est bien dans le bon camp, là. Hein, ah tiens, il y a ça, notre poney. On est bien dans le bon camp. Hein, on n'a pas fait de conneries. Alors, fais voir. Oh, non. On a un braconnier, truand, maraudeur. Ok. 4 là. 2 là. Et un troisième ici. Ok, lui, on peut un peu l'ignorer. C'est quoi ça? Tant que l'unité n'est pas engagée, elle est à ses alliés en agressivité du chef. Ah, c'est lui le leader. On va devoir se le coltiner, merde. Alors, fais voir. Hop. Toi, j'imagine qu'on te joue pas.
Cette unité restera à sa position et attaquera les unités à proximité. Ah, on peut lui donner des ordres peut-être. Ah, mouvement doublé parce que poney, c'est ça? Je crois. Je sais pas. Bon, l'ours il peut aller là. Attends, si là on a un chef, peut-être en avoir besoin. Et Kert aussi fait des bons dégâts. Elle peut soigner. C'est qui joue en premier? Ouais, ça va. Il va falloir qu'on se tape le chef. Cette unité inflige toujours des coups critiques. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est violent le chef là. Menace du meneur. Espèce de malade quoi. Le fantassin il peut sûrement combattre. Les trois ça devrait suffire pour combattre les deux là, je pense. Ça rien en fait. Will, tu vas venir aider quand même. Toi, tu vas te mettre là. Ouais, ok. Je sais pas. Ça fait un peu peur. De toute façon, on a plein de points. Donc, ça va. Alors, provocation, affaiblissement pendant un tour. Dégâts réduits de 50%. Nickel. Nickel, ça lui a enlevé la truc. Le buff. Est-ce qu'on met la défense ou pas? Ouais, je dirais oui. Ok, il va tirer sur l'ours, très bien. Ok, donc lui il joue automatiquement. Lui dire pause. Ok, comportement défendre. Et là c'est comportement fuir. Ok. Comportement attaquer. Ok. Ok, mets-toi en défense toi. Et toi. Ah, on a un buff du leader en fait, ok. Inspiration du chef, ça marche. Alors, prochain qui touche, c'est le... lui. On va lui faire un bon empoisonnement. On aurait pu faire un critique quand même, hein. Canasson. Tiens, dans ta bouche. Ça fait honnêtement un coup de sabot dans la tête. Tu perds la tête. Tu perds violemment la tête. Donc je suis un peu déçu. Je
pas si on devrait pas en profiter. Parce que, en fait, si on se me met à côté, si je finis le tour en me mettant à côté, lui, il va me toucher deux personnes, en fait. Ça c'est relou, ça. Quoique, après, je peux me mettre à côté du canasson et je risquerai rien. Il n'y a plus que 4 points de vie. Oh, l'agressivité du chef, elle est revenue, du coup. Merde. Ah, j'ai merdé. Ah, putain, mais pourquoi je fais de la merde comme ça, moi? Me tire pas sur l'ours, hein. Bien joué. Où tu vas? Oh putain. Ok, il va falloir qu'on tue le chef. Parce que j'ai fait de la merde. Donc il va falloir corriger ma merde. On est bon. Hop. Saignement. L'allié adjacent ciblé effectue une attaque d'opportunité contre son adversaire engagé. Ok, on a tué le chef, c'est déjà ça. T'es pas engagé, donc je peux un peu me reculer. Faire plus de dégâts. Ah, très bien. Là, du coup, je peux me mettre là. Oui, il y fait mal quand même. Voilà, parce que là, s'il fait des critiques, ça va faire mal. Hein. Deux mecs là, ils vont aller sur l'ours, c'est bien. Fou. Pas mal. Là, il touche une seule personne. T'as fait quasiment aucun dégât, quoi. C'est ouf. Est-ce qu'on t'avait mis affaiblissement? Je crois qu'il y avait affaiblissement depuis le début, en fait. Alors, toi... Ouais, non, ce qui est pas mal, c'est qu'il est pas engagé. Donc, lui, il va pas pouvoir faire de critique, rien. On va mettre ça... Un peu plus de dégâts. Nickel. C'est bien. Sur l'ours. C'est bien parce que lui il est engagé, il est occupé, donc du coup bah, l'ours il est tranquille. C'est qui joue? C'est toi. Ah, du coup on va jouer notre chef. Parce que je veux qu'il soit de ce côté en fait. Voilà, au cas où si j'arrive pas à le tuer en fait. Ça. Voilà. Très bien. C'était peut-être un peu abusé en fait de ce double buffet, mais. Hein. Très bien. Non, on a un arc qui repousse, c'est pas mal, hein, mais c'est vrai qu'après, quand on l'aura plus, ça changera en fait notre façon de jouer, donc c'est un peu chaud.
Alors toi, t'es engagé avec lui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que cœur, tu peux aller? Ah, yes. Comme ça, on lui met du poison. Oh, un petit critique en plus. Je vais pas le repousser, enfin faire le faire désengager, parce que sinon on va, il va. Ah, il va ta. Ouais. C'est pas grave, ça valait le coup. C'est pas grave. Ah oui, il faut aider notre canasson. Oui, j'avais complètement oublié ça. Est-ce qu'on peut. Attends, ça c'est quoi? Ouais, mais il est engagé avec personne en fait. Est engagé ou pas? Si, il est engagé. Comment je fais pour. Comment ça marche? Une attaque adjacente ciblée effectue une attaque d'opportunité pour s'engager. Ah, mais faut qu'il soit adjacent à moi en fait. C'est ça? Et du coup, si je tape, je vais le désengager, non? Attends, si je me mets un peu plus loin, mais à côté, comme ça. Genre comme ça. Parce que là, je peux dire. Ok, là, ça marche. Bam. Ok, maintenant j'attaque. Double dégâts parce que je suis assez loin. 21 critique. Nickel. On va se mettre collé comme ça on a un point. Bon, j'étais un peu con là, je me suis pris des baffes un peu pour rien, mais bon, c'est pas grave. Bon, cheval, bordel. Tiens! Lui, il m'embête quand même. Il m'embête un peu. Pas mal. Donc, pour les animaux, il faut des cordes, et pour les humains, il faut des chaînes. J'ai bien compris. De personnes. On peut pas voir qui a pas joué. Ah oui, passer d'une personne. Ah oui, voilà, c'est bon. Okay. Je peux me mettre là. On peut refaire un peu le même système. Que c'est plutôt bien. Non, t'es trop con pour vivre.
Et adieu. Et voilà. Putain, ça tue ce truc. Ah, Croûte, il suffit de poser un regard sur son portrait pour sentir ses yeux piqués. Gambison précieux, garde et armure. Gambison est compartimenté pour empêcher qu'un seul coup d'épée le vide de son rembourrage. C'est une armure intermédiaire. Comme ça, c'est bien passé. Mercenaires, vous êtes autant nos héros que ceux des Tulls. Je n'ose pas imaginer la colère de ces êtres si les réfugiés avaient encore coupé ne serait-ce qu'un arbre. Prenez ceci, c'est de notre part à tous. Ouais, on a bien fait les bons, hein. On est d'accord que je fasse pas de conneries. Hein. On est bien sur les bons, là. On a bien tué les bons. Les villageois ont préservé la forêt de Mont Altis. Merde. Est-ce que je me suis gouré de camp? J'ai pas noté les noms. En plus, il y en avait qui étaient du côté gauche et du côté droit. Donc tu veux me dire que quand ils nous ont montré de choisir un camp, c'était inversé? Je pense pas. Hein. Aider les Tulls porte chance, je vous assure. Bah merde, on a pris les mauvais côtés. Ah, j'ai fait de la merde. Oh, c'est pas grave, hein. C'est fait, c'est fait. Alors, putain, j'ai fait de la merde. Ah. Bon, la prochaine fois, je sais pas, fallait que je fasse plus attention avec les noms, en fait. Mais c'est bizarre, du coup, en fait, c'était inversé, la proposition, si je dis pas de conneries. Ou alors... Ouais, genre, en fait, en plus... Ah ouais, non, en fait, c'est pas genre on prend leur bois si on gagne. Ils nous donnent du bois. Et là, ils nous ont donné des haricots, les autres. Quatre de nourriture. Ouais, c'est pas grave. Honnêtement, la nourriture, c'est mieux. C'est mieux pour nous, donc c'est pas trop, trop grave. Ouais, ça passe, quoi. Pas grave. Alors, maintenant, lui... Lui, on l'a mis quoi? Ouais, lui, c'est protecteur pour le moment. Alors, chaque fois qu'une attaque touche plusieurs ennemis, obtenez 1. C'est pas mal. Chaque fois que cette unité s'engage, obtenez 1. Dégâts fuyés, la prochaine attaque réduite 70%. Je pense qu'on va prendre ça. Chaque fois qu'une attaque touche plusieurs ennemis, obtenez 1. Ah, mais c'est chaque fois que... Genre, faut que ça touche plusieurs ennemis, en fait, pour avoir 1 d'office. Ouais, c'est pas mal. Je suis en train de me dire que j'aurais dû prendre peut-être lacération à la place. Mais bon, je pense que l'encouragement est vraiment bien, parce qu'on n'a pas d'autres encouragements. Elle, c'est de l'attaque, elle a. Et lui, c'est un debuff, donc au final, c'est pas, ça va. Mais c'est vrai que ça n'a pas trop de sens, en fait. Peut-être. J'en sais rien, en fait. Après, on a quoi? Chaque fois, cette unité s'engage, elle gagne déviation. Non. Riposte.
L'unité et tous les alliés dans la zone gagnent protection. Ah, ça c'est pas mal parce que ça buff. Parce que l'autre, ça buff ses alliés. Là, je peux faire un combo en fait de compétences. Elle applique fureur à tous les alliés dans la zone, mais pas elle-même. Par contre, lui, c'est l'unité et tous ses alliés. Donc c'est lui et tous les alliés. Et là, il y a ça. Tant que cette unité est sous l'effet d'un bonus, ses attaques appliquent affaiblissement pendant un tour. Ça peut être intéressant, ça. Du coup, il mettrait affaiblissement tout le temps. Et si on fait affaiblissement sur une. Il touche plusieurs personnes, ça peut être intéressant. Je pense qu'on va garder le fait qu'il peut toucher plusieurs personnes, en fait, ça. On va voir comment je le joue, mais ouais. Faut voir. On a gagné, donc. Garde, 12, 22 armures. Là on a du critique, là on a du critique aussi. Donc lui. Ouais, pas mal. Elle est pas mal. J'aime bien. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ouais. Après des babioles. Ah, on a connaissance, lire. Putain, j'y crois pas que j'ai fait de la merde comme ça en choisissant le mauvais camp, quoi. Aïe, aïe. Pas grave. Ça arrive. De toute façon, on peut plus revenir en arrière. La bravoure supplémentaire, ça m'intéresse. Je pense qu'on va prendre de la forge. C'est là on aurait un meilleur bouclier. Là, nous, on a fait une targe. Là, on pourrait avoir une rondache en fer plaqué. Poulet braisé. Du poulet, on en a trois. Ah, attends, on a ça. On a un brochet. Potage de brochet. Il faut du sel. Ah, on peut faire ça. Ça nous ferait pas mal de nourriture. Ah, pour l'instant, on se débrouille. Avec la nourriture, au bout d'un moment, on va plus vraiment avoir de problème, honnêtement. Déjà, là, on a 5 jours de nourriture. Par contre, du coup, tout le monde a une bonne armure. Toi, t'as quoi? 13 et mouvement 2. Là, il y a 15, mouvement 2 et critique 1. Nickel. Armure 13. Ok, c'est pas mal. Ah, par contre, on est plein. Oh, chier. Ah merde. Est-ce qu'on peut pas vendre un truc à eux? Non, on peut pas. C'est la merde. Comment on fait pour le poids? C'est quoi ça?
falloir qu'on mange en fait. J'ai pas envie de. Ça fait beaucoup d'argent en fait qu'on laisserait, qu'on balancerait. Par contre, je sais pas si on peut descendre en fait de là. Là, il y a l'air d'avoir un truc à inspecter. Ouais, non, mais je veux garder. Ah, peut-être que je peux descendre avec les. Oh, c'est quoi ça? Merde. Distraire avec 10 haricots. Sanglier, les. Oh, est-ce qu'on est prêt à combattre ou pas? J'ai hésité, j'ai hésité. Un peu commencer. On a 3 en arrière. On a 3 là. Ouh, là, on est un peu bloqué là. Ouh, c'était peut-être une mauvaise idée. Peut-être une mauvaise idée. On va voir. Non, ça de. Non, ça va, ça va, ça va. On va rester confiant. Ça va être compliqué. Ça va, ils vont pas trop loin. On a une chance de toucher genre les 3 si je m'avance, je pense pas. Ouais, c'est pas mal là. C'est chier, mais c'est pas mal. Très bien. J'avoue que là c'est un peu chaud. Qui nous reste? Le placer vraiment, sinon il va pas pouvoir toucher plusieurs cibles.
Qu'est-ce que j'aime pas, ce qui se passe là. Allez l'ours, ça fait des miracles. Très bien. Attends. Merde. Toi, t'es engagé avec lui. Yes. Yes. Ok, je sais pas si c'était une bonne idée en fait. Il y a lui qui risque de faire mal en fait. Ok, les autres ils sont loin. Je sais pas, là c'est pas. Là c'est pas le top, là je suis pas très très fier de moi. Pas engagé, très bien. Attends, je peux faire ça. Nickel. Comme ça, je te bloque. Ok. Il me faut... Mais toi, t'es... On peut se désengager. Et après, ok. Pas mal. Kourou. Mais Kourou, ça va le faire se réengager. Ça déclenche les compétences sur sa cible mortelle. Inflige son négatif, il reste moins de la moitié de la santé.
mettre là. Par contre, il faut de la place pour le... pour l'ours. De la place pour l'ours. Très bien. L'ours il va... il va faire des petits ravages. Ok, personne n'est engagé à part lui là, à part eux. Je vais peut-être me mettre là et toucher les deux. Courage d'en lutter, tous ses alliés prennent le buff. Ah putain, je peux pas aller me déplacer assez loin. Ah, peut-être là alors. Je vois pas vraiment ce système être très très efficace. On va se mettre là. Si jamais on doit soigner le cheval. Faut de la place pour l'ours, comme j'ai dit. Là on a un truc ici, eux ils sont pas engagés. Lui il est engagé, je pourrais faire des gros critiques, mais est-ce que l'ours va pouvoir passer? C'est ça ma question. À la limite, je peux tirer sur lui, comme ça on le repousse. Ou pas. Non, si, si. Enfin, c'est pas énorme de le repousser, du coup il va sûrement nous toucher. Mais bon. Ok, très bien. On peut se désengager après. Ouais, on peut courir. Mais... poison. Hop là. Très bien. Oula. Au moins, c'est lui qui tape. Il fait pas de critique. Ok. Alors là on a deux mecs, là on en a trois. On peut faire un nouveau tour ici. Ah oh, putain, je peux pas toucher les trois.
Si on fait ça. Ok, pas mal, crit. On sera désormais appelé Capitaine Kiri le mur. Il obtient un point d'attribut. Ennemi engagé. x30. Les exploits de Kiri. Ok, Kiri le mur, ça marche. Tu le dis. On n'est pas encore sorti d'affaire. Hein. À la protection aussi, ouais. Pas besoin de la remettre. Ouh la vache, c'est compliqué là. Très bien. Tu vas faire des miracles. Nickel. Ça, je sais pas si c'est vraiment utile de le faire en fait. Réassommer, est-ce qu'on fait prisonnier le compte de combat? Un sanglier prisonnier? Est-ce qu'on en a quelque chose à faire, un sanglier prisonnier en fait? Je suis en train de me demander. J'ai bien envie de tester, mais. Non, on va pas le faire. Tous bien encadrés. Ah, attends. C 56% de chance de réussite. Si on lui baisse encore la vie. Si on peut prendre un lait dominant, pourquoi pas? Faut juste pas qu'elle meure parce qu'elle a du poison en fait. 11 points de vie lui reste. Donc ouais, non, honnêtement je sais pas. Elle va crever du poison, je suis sûr.
Ah non. Ah non. Faire ça. On réengage. Fait, faut encercler pour combattre ça, pour pouvoir avoir l'option. Parce que là, je l'avais, mais je l'ai perdu. Donc là, toi, tu l'as parce que c'est encerclé. 100%. Coup corde x 3. Oh la vache. Ok. Capturé. Yes! Let's go. Est-ce qu'on fait un écran de fumée ou pas? Très bien, le cheval. Eh ben, quelle merde. Peut-être me mettre plus loin. Ça va, j'avais peur qu'il aille pas sur le loup en fait. L'ours. J'aurais pu tirer sur lui et faire attaque après, mais j'avais envie de garder mon point, même si ça me sert un peu à rien en fait. C'est... Ouais non, ça sert à rien. Ah, c'est bon. Eh ben, devenu fine lame. Kirik est devenu fine lame, d'accord. Capturé pendant le combat a été ajouté à votre groupe. Ok. Alors. Alors qu'on se repose, on va se reposer après. Très bien. Qu'on descende en rappel ou je sais pas quoi là, normalement on peut, je crois. Alors ok, ça marche. Alors, fais voir un peu, inspecter. Alors, rupture du ligament, unité déplace à moitié ses capacités, consommation 8 de viande. Ça va, enfin vu que maintenant on sait gérer. Donc ça va, rapide. Alors, dégâts à la prochaine attaque. Bon, chaque fois qu'un animal allié meurt, cette unité gagne fureur. Okay. Ça par contre, ça c'est ce qui m'intéresse en fait. Faut critique assuré si la cible est déjà engagée avec un allié. C'est pour ça que à la limite. Ça, à la limite, ça c'est le gardien de la forêt, bon c'est bien. Sans plus, parce que je compte pas en fait tuer mes animaux, évidemment. Mais ça, quoi. Un critique à 100%, quoi. Alors, dégâts subis réduits de 25%. Chaque fois que cette unité subit un coup critique, elle gagne riposte. Non, ça c'est bien.
Ok. Volonté, mouvement. Transport 20, unité peut être assignée au feu de camp. Ah, ok. Ah, c'est marrant, c'est quand même comme dans les films où t'as le porc qui se met au feu, quoi. C'est marrant. Donc on l'a attrapé, c'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, on peut lui faire un une sacoche aussi. Intéressant, intéressant. Hop. Oh, elle est devenue apprentie, ça y est. Il faut du bois. Il nous faut du bois. Ça marche. Toi. Quête ça. Voilà, déjà on est à 103. C'est bien. Alors, est-ce qu'on a à manger? On a du porc gris, on en a plein du coup. Nickel. Potage de brochet. Gagner point de compétition. Ok, cool. Alors. Transport 5. On est à combien? On est à 103. Les troupes s'entraînent. L'essai devient capable de porter lourd poids sur de longues distances. Transport augmenté de 5. J'imagine que c'est pas par personne, c'est juste une c'est juste un 5, un plus 5. Parce qu'après, on peut prendre encore de la nourriture ou le bouclier, mais là, avec le poids, on commence un peu à. Voilà. Là, on a 108, très bien. Alors. Ah oui, toi, on n'a pas fini. Pourquoi je. Pourquoi... Ah non, c'est Kiri. Alors, Kiri, capitaine Lemur, il s'appelle maintenant. Ah, il a fine lame aussi. Augmente de 5%. Alors, critique et dégâts critiques augmentent de 5% s'il est équipé d'une arme à une main. Cool. Cool. Niveau 3, ok. Nickel. Ça prend de la place. Ça commence à être un peu le bordel dans l'inventaire, mais ça va. Débrouille. Toi aussi t'es blessé. Il ne peut plus infliger de coups critiques, ça marche. Honnêtement, c'est vrai que ça commence à être un peu des fois le bordel dans le combat où il y a beaucoup beaucoup de cibles, beaucoup de gens qui bossent, qui se gênent un peu l'un l'autre. Donc c'est vrai que les poneys c'est un peu emmerdant. Surtout que les animaux en fait bougent par eux-mêmes. Donc c'est ça qui m'embête. Mais après de toute façon ça fera... Ah j'en sais rien. Enfin pour l'instant ça se passe. Pour l'instant ça se passe. T'as qu'à rester là. Le feu là. Très bien. On a 6 jours de bouffe. 4 ici, un là, un là. Alors, fais voir. Alors déjà les carcasses. Comme ça nous fait de la bouffe gratuite. Maintenant on est à 40, ça va. On a personne au feu, on a personne au feu. Un potage de brochet, ça fait 6. Pas mal. Ah, c'est comme les côtes, quoi. C'est pas mal. Alors on a personne au feu, on a dit. Ok, 40 sur 40.
C'est bien. Voilà, on est presque une dizaine gratuites. Et comme ça nous fait baisser notre poids et tout ça. Tout le monde est bon. Parfait. On va aussi réparer nos armures. J'ai un peu oublié de faire ça. Troupes reposées. Plus 1, plus 6 en tout. Compagnons sont heureux. Très bien, on en a 11. Ah, je pense que le lait dominante, là, la lait dominante, elle va potentiellement faire mal. Grâce au fait qu'elle va faire du critique constamment, si tout se passe bien. Puis après, elle a, ouais, elle a 62 vies, ça va. Est-ce qu'on pourra lui mettre une armure après? Alors, on augmente le transport, ou alors cette unité peut être assignée au feu de camp. Je sais pas ce après ce qu'elle peut faire au feu de camp. Ah, elle augmente le bonheur en fait, j'imagine. Là, c'est quoi? Unité peut désormais être abattue pour sa viande. La bête mange les restes et réduit sa consommation de nourriture de 2. Sanglier d'élevage, d'accord. Les truffiers, vous avez une chance de ramasser les champignons en marchant en forêt. Je sais pas trop. On peut faire des élevages en fait, apparemment. Au feu de camp, ça nous ferait de la du bonheur en fait gratuit comme ça. Alors. Ah, et ma vieille mère qui disait que les mercenaires ne mangeaient jamais à leur faim. Bon sang, si elle avait vu le repas d'hier, on a mangé comme des négociants. Alors, chanter, exprimer sa bonne humeur et chantonner sur le chemin. Gagnera le statut bruyant. Ah, super. On va faire avec compagnon 1. Gagne le statut vigilant. Levez le camp. Suggéré par hacker. Et relation avec compagnon. Complimenter. Complimenter les groupes pour le repas. Le statut vigilant. Ouais, mais c'est pas un trait, c'est pas pareil. Plus 1 avec les compagnons, c'est pas mal. Là, c'est plus 5 de bonheur. Mais est-ce que le plus 5 de bonheur, il va se convertir directement en influence? J'imagine que chanter, ça va, bah, ça va faire venir tout ce qu'il y a autour, en fait, de nous. On va faire complimenter. On va voir déjà si je récupère ça en influence. Les dominants s'est amélioré. Là, si on trouve une autre, débloquer le trait sociable. Ok. C'est qui qui a sociable? C'est lui, c'est Will. Se lie d'amitié plus vite. Ah, ils aiment bien la lait dominante. Déjà, n'importe quoi. Ok. Ils sont bizarres ces gens quand même. Ils sont un peu étranges. Bon, faut qu'on répare un peu notre armure par contre. Réparer 3. Ah mais je peux pas. Ah là là, je peux pas en fait. Je peux pas faire à part. J'en ai combien? 11. Là, je voudrais bien en utiliser qu'un seul. Comment on fait pour en faire qu'un seul? Faut vraiment qu'on augmente le truc à 20 en fait. Ouais, non, là c'est bon. Bah, c'est vrai que ça fait moins cher. Vu qu'on a des animaux, ça fait moins cher en armure. Bon, par contre, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai pas trop le temps pour cet épisode. Mais voilà, bon, on a ça. Le poids est bon. On a de la nourriture, on a 5 jours de nourriture. Très bien, consommation 40. Je suis pas complètement certain de que ça fonctionne comme ça. Genre, stock 204, consommation 40. Mais stock 204 par rapport à quoi? Genre, nourriture, là, le plus de tout ça? Mais à chaque fois, on doit faire. On doit faire. Ah non, on doit faire 40. Non, je sais pas. Bon, c'est bien. Bon, j'ai l'impression qu'on devait faire plus à chaque fois.
125 de solde. Ça... Du coup, toi, tu prends combien de nourriture? 8. Ouais, on va s'arrêter là. Et on va essayer de revenir à la ville. Tout simplement. On va essayer de revenir à la ville qui est juste là. Là. À Stormcap. Donc, on va essayer de je sais pas trop. De descendre la montagne, peut-être. Pas à cheval. À la prochaine. Ciao, ciao.